se place. Il y a un cheval qui est un peu loin là-bas, je ne sais pas qui c'est. Mais on ne va pas pouvoir se positionner tout de suite pour le départ parce qu'il y en a un qui est un peu au loin. Non, ça va, ils sont tous là, pardon, c'est le cheval d'Ephidia pour les interviews. Tout le monde est là, on va pouvoir se placer. Attention, on va partir, Vincennes, pour la Q2 du Prix d'Amérique Récise de Turf. On va partir. Pour la Calife 2, le prix du Bourbonnais, étonnant, est bien parti à l'extérieur dans son dos, Festime Bourbon. Au centre, un bon départ pour le numéro 2, Frisbee Dame, faute du numéro 14. Delia Dupomereau est au galop en début de course, alors que Diable de Vauvert est bien parti avec Express Jet et en dehors, Chica Jude. Delia Dupomereau qui a été remis par son partenaire David Thomas, le numéro 2, Frisbee Dame, Bjorn Goop, tout de suite à l'avant du peloton, avec en deuxième position Zakonjo qui se rapproche à l'extérieur de ce dernier. Il y a Chica Jude, côté corde, Express Jet qui s'est placé côté corde, Festime Bourbon est en 7-8e position maintenant à l'extérieur de Violetto Jet et précède Étonnant. Ils vont sortir du premier tournant et bientôt passer devant la statue d'Ourasi. Frisbee Dame est en tête. À son extérieur, le numéro 13, Zakonjo. Encore plus en dehors, Yashika Jude. À la corde, Kazakh Rouge, Express Jet est bien placé devant Diable de Vauvert. Delia Dupomereux, Festime Bourbon en dehors. Dans son dos Étonnant, au centre, Violetto Jet qui patiente alors que Cara Williams est côté corde en compagnie de Feeling Cash. Dans les tribunes, Frisbee Dame qui pour l'instant conserve la tête, même si on accélère en dehors de lui avec Zakonjo. Jean-Michel Bazir qui s'apprête à prendre les commandes de l'épreuve pour aborder la descente. Delia Dupomereux est en train de se rapprocher. Elle vient désormais à l'extérieur de Chica Jude. Express Jet en 5e position devant Diable de Vauvert, le grand favori Festime Bourbon qui se fait ramener pour l'instant par Delia Dupomereux, alors qu'Étonnant qui est dans son sillage le quitte désormais pour peut-être aller vers l'avant du peloton, tout cela dans le bas de la descente. Il y a du mouvement dans la descente, Étonnant vient fort, hein, tout à l'extérieur, rejoindre Delia Dupomereux, Zakonjo qui sont aux avant-postes avec également Chica Jude. Festime Bourbon temporise, il est tout prêt en 3-4e position devant Diable de Vauvert, à la corde le numéro 2 Frisbee Dame, alors qu'Express Jet est un peu plus loin avec Violetto Jet ou encore Cara Williams. Étonnant à 1500 mètres de l'arrivée a pu désormais se rabattre en attendant sans doute d'être couvert par Festime Bourbon qui prend l'avantage un petit peu plus tard qu'il ne l'avait fait l'autre jour. Et voilà maintenant le champion qui prend l'avantage à la mi-course, maintenant relayant Étonnant. Delia Dupomereux est toujours en 3e position, Chica Jude est 4e, Zakonjo en 5e position sur une 4e ligne côté corde, Diable de Vauvert en dehors de lui, Frisbee Dame trotte lui sur une 5e ligne, Violetto Jet attend avec Rebella Matters, Billy Billy fermant toujours la marche. C'est le début de la montée, bientôt le dernier kilomètre, le champion Festime Bourbon est en tête, Étonnant dans son dos, Chica Jude 3e devant Delia Dupomereux, un peu plus loin, Diable de Vauvert avec également Kazakh Verte, Violetto Jet qui patiente. Côté corde, il y a Zakonjo et puis également le numéro 2 Frisbee Dame qui patiente devant Express Jet. Pas de mouvement pour l'instant alors qu'on se dirige vers le haut de la montée. Avec Festime Bourbon qui est toujours au contrôle, hein, de cette compétition, Chica Jude toujours à l'extérieur d'Étonnant, Diable de Vauvert qui attend, on connaît sa pointe, Delia Dupomereux est en 3e ligne côté corde, suivi toujours par Zakonjo avec également Violetto Jet qui le premier va tenter quelque chose, peut-être Violetto Jet. On voit Franck Nivard qui commence maintenant à se décaler, mais Festime Bourbon est toujours facile pour aborder le haut de la montée. À l'intersection des pistes, Festime Bourbon toujours en tête dans son dos, Étonnant à son extérieur, Chica de Jude en dehors, Diable de Vauvert passe à l'attaque avec dans son sillage Violetto Jet qui s'annonce. Côté corde, il y a toujours Delia Dupomereux devant Zakonjo, un peu plus loin Frisbee Dame, Fakir du Loro, ils vont sortir du dernier tournant. Festime Bourbon contrôle la situation, il accélère. Et on a l'impression qu'il attendait ses adversaires, mais il est temps d'y aller maintenant et on sait que c'est un remarquable vireur et il accélère, il vient d'accélérer fortement maintenant. Festime Bourbon qui s'est aussitôt détaché avec ensuite Étonnant, avec également Diable de Vauvert, Rebella Matters qui a longtemps été préservé, Violetto Jet est au galop, Rebella Matters qui va tenter de fondre maintenant pour aller chercher son billet pour la qualif, mais Festime Bourbon va s'imposer même si Étonnant revient. Attention, Étonnant qui attaque Festime Bourbon, Étonnant qui va peut-être prendre le meilleur aux abords du poteau, Étonnant sur le fil qui vient dominer Festime Bourbon. 3e place ensuite pour Rebella Matters devant